Nous vivons, comme vous avez constaté, une situation extrêmement difficile à Daoukro depuis le lundi 10 août 2020. Ce lundi-là, les manifestations ont commencé avec des jeunes gens de l'opposition qui ont voulu marquer leur désaccord et leur mécontentement suite à la déclaration du chef de l'État voulant candidater pour la troisième fois à la présidence de la République. Ils ont érigé des barricades. Quand nous avons été informés de cela, nous avons suivi avec les forces de l'ordre, le commissaire de police, le commandant de compagnie, pour négocier avec les jeunes gens et leur demander de libérer leur position. D'abord, c'était les forces de l'ordre. Ensuite, face à la résistance des jeunes gens, nous nous sommes nous-mêmes déportés sur le terrain, ensemble cette fois-ci avec Madame le Préfet, pour leur demander de se retirer et éventuellement d'attendre le mot d'ordre de leur parti. D'autant plus qu'à cette époque-là, nous nous sommes dit et on leur a expliqué que si c'était un message qu'ils voulaient faire passer, le message était entendu et qu'il ne fallait pas obstruer les voies puisque d'autres personnes devraient également pouvoir jouir de la liberté. Nous avons fait ce travail-là. Sur le champ, certains ont libéré leur position. D'autres ont promis le faire et nous sommes rentrés, nous qui étions de la délégation, je dis bien les élus, Madame le Préfet et les chefs d'unité. Et le lendemain matin, ils ont projeté d'organiser une marche. Nous n'étions d'ailleurs même pas informés parce que c'est Madame le Préfet de région qui nous a informés après avoir reçu les jeunes gens de ce qu'ils se proposaient de faire une marche. Cette marche a été encadrée pendant un bon moment et par la suite, je crois, selon leur dire, au niveau de la gare routière, ils auraient reçu des projectiles. Voilà un peu comment le désordre a commencé. Ayant été informé, le même jour, nous avons d'abord convoqué à notre bureau quelques amis, certains frères de la communauté Malinké, puisque, au dire des gens, et connaissant un peu notre zone, nous nous sommes aperçus tout de suite que le débat politique était en train de virer vers une incidence communautaire. Nous avons donc immédiatement appelé certains cadres de la zone Malinké avec qui nous sommes entretenus. Et le même jour, nous avons décidé ensemble de nous retrouver chez le chef du village avec les membres du comité civilo-militaire, les religieux, les chefs de communauté et les responsables des jeunes concernés par la crise qui venait de commencer. À cette rencontre, nous avons été clairs. Pour nous, et dans le feu de l'action, il n'était pas question de venir accuser ou se justifier, parce que nous sentions venir le danger. Il était donc question pour nous, et ceux qui participaient à cette rencontre, de faire des propositions concrètes de sortie immédiate de crise. C'est ce que nous avons fait. Et au cours de cette rencontre, nous avons décidé de mettre sur place, sur pied, deux équipes de pacification. Une équipe que je conduisais moi-même et la deuxième équipe conduite par le député de la circonscription. À ce niveau, les équipes ont été constituées en tenant compte des forces en présence, en tenant compte également de l'impact que pourraient avoir les négociateurs sur les protagonistes. Nous avons commencé un peu tard le soir, nous avons fait quelques checkpoints, il y avait des barrages, nous étions du côté du Lacro, quand le député et son équipe se sont occupés du côté Baoulékro. Nous avons donc fait quelques checkpoints et les choses rentraient dans l'ordre. Jusqu'à ce que nous arrivions à un troisième, et qu'on nous apprenne que des jeunes gens seraient en train de démolir, de s'attaquer à la maison du PDCIRDA. Nous avons donc accouru, nous sommes retrouvés là, avec le commissaire de police, avec le commissaire principal adjoint au préfet de police de Yamoussoukro, pour constater qu'effectivement, les gens venaient de vandaliser la maison du PDCI à coups de machette, en cassant les fenêtres,
Heureusement, ils n'ont pas pu y entrer parce que des personnes sont arrivées et ils se sont évadés. Sur ce, nous avons continué notre tournée et nous sommes rentrés. Nous étions donc là au 11. Je dois dire que c'est de là que les choses sont parties. Puisque au début, c'était quand même soft, pour le dire ainsi. Mais c'est de cette attaque de la maison du parti, du PDCI, que la situation s'est envenimée. Le lendemain matin, nous avons été informés de ce qu'en réplique de l'attaque de la maison du PDCI-RDA, d'autres jeunes seraient allés attaquer, visiter la maison du RHDP. On a compris tout de suite que les intentions étaient claires et qu'il fallait passer à une étape supérieure. Immédiatement, nous nous sommes encore retrouvés avec, cette fois-ci, le préfet, les différents commandements et les responsables des deux communautés et des jeunesses de ces deux communautés à la préfecture de la Oukro. Pour leur expliquer encore une fois, et naturellement il y avait les hommes religieux, les hommes de Dieu, pour leur expliquer encore une fois que personne, je dis bien personne, n'avait intérêt à une déflagration au niveau de la Oukro, tant que nous vivons en paix ensemble ici depuis des lustres. Nous avons eu ce débat, chacun a émis encore des propositions, et c'est là qu'a été décidé d'instaurer un couvre-feu à partir d'hier soir, 19h. Et nous avons aidé à communiquer largement sur la mise en place et le respect du couvre-feu. Naturellement, après les bagarres d'hier, où il y a eu beaucoup de blessés, je dis au passage que nous nous sommes occupés de tous ces blessés, même ceux que nous n'avons pas pu trouver à l'hôpital, nous avons laissé des consignes pour qu'ils soient pris en charge, pour que nous fassions face aux charges par la suite. Nous avons également aidé certaines personnes à pouvoir sortir des zones où ils étaient un peu pris en otage, pour qu'ils soient à l'abri. Nous sommes rendus compte également que le même soir, les hostilités ont repris de plus belle. Cette fois-ci, ce n'était plus localisé entre Baoulé-Cro et Doulakro, mais que certains quartiers, comme Lamdiabougou et Gagou, étaient en train de la danse, avec l'incendie d'une quinzaine de maisons au niveau des Gagou. Donc naturellement, il fallait encore se retrouver et changer de stratégie. Nous avons fait cela et aujourd'hui, les jeunes ont tenu leur position parce que quand on discute avec les deux camps, ils estiment que lorsque un camp replie dans sa zone, l'autre monte en attaque, vice-versa. Donc naturellement, ils voulaient absolument tenir leur position pour éviter d'être attaqués. Nous avons demandé également aux forces de l'ordre de constituer des zones tampons entre les deux communautés pour éviter qu'elles continuent de s'attaquer. Mais cela a été vain, puisque par la suite, les choses ont continué. Ce matin, donc hier, il y a eu le couvre-feu. Ce matin, il y avait une accalmie. Nous avons donc entrepris de nouvelles démarches, cette fois-ci en rencontrant les communautés séparément. Le matin, il y avait quelques débats sur des conteneurs entreposés à la Sodeci. Les gens craignaient que ces conteneurs ne contiennent d'autres choses que ce qui est annoncé. Nous avons procédé donc à la vie des conteneurs. Et quand nous avons fini, nous avons invité d'abord les responsables du RHDP et des jeunes du quartier du Val pour les inviter à tout mettre en œuvre pour arrêter cette hémorragie. D'autant plus qu'on continuait d'enregistrer encore des blessés. Donc jusque-là, ce matin, la situation était calme. Et c'est pendant que nous discutions qu'on a été informé par coup de fil que les combats avaient repris au niveau de la ligne entre Doulakro et Baoulé-Cro. Nous avons donc libéré nos frères pour qu'ils aillent contenir les frères de ce côté-là. Immédiatement, nous avons convoqué une réunion de la deuxième partie, c'est-à-dire la communauté Baoulé, chez le chef de village
de Daoukro. Ça faisait donc notre deuxième rencontre chez le chef de village. À cette réunion encore, nous nous sommes rendus compte que pendant que nous discutions, pendant que nous cherchions à apaiser la communauté baoulée, ce sont des jeux de pierre qui ont été enregistrés dans la cour du chef. On a dû donc interrompre encore là une fois la rencontre pour que nous nous retirions et laisser de la place aux forces de l'ordre pour faire le travail pour lequel elles sont là. Donc voilà un peu l'évolution des choses. Et pendant que nous sommes retirés, il y a une heure à peu près, nous avons été informés encore, avec preuve à l'appui, que les mêmes qui avaient attaqué la maison du parti viennent d'attaquer à nouveau la maison du parti et que cette fois-ci, les mêmes personnes auraient cassé, brisé les portes, entré, brisé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ce soir, il y a à peine une heure de temps. Alors, c'est des comportements qui ne sont pas de nature à apaiser. Pendant qu'on fait tous les efforts, je dis bien tous les efforts, depuis lundi jusqu'à 7 heures où je vous parle, parmi nous, il y a ceux qui ont pu dormir un peu, ont dormi vraiment très peu. On dormit vraiment très peu. Donc nous sommes sur le terrain, nous nous battons pour faire en sorte que les communautés ne s'entre-déchirent pas. Alors, on apprend que certaines personnes, d'ailleurs, on a l'impression que certaines personnes tapies dans l'ombre font tout pour attiser le feu. Parce qu'au moment où vous parlez avec les jeunes gens, que ce soit du LHDP ou de la communauté malinké, ou de l'autre côté du PDCI, en fait de l'opposition et la communauté baoulée, les cœurs s'apaisent. Mais quelques temps après, c'est une attaque qui ressurgit parce que les gens font couler extrêmement de rumeurs et de fausses rumeurs qui font que les gens, à tout moment, sont sur le qui-vive. Je me demande pourquoi. Alors, pendant qu'on est en train de faire ça, je viens d'apprendre ce soir d'ailleurs que certaines personnes que je respecte, des autorités qu'on peut considérer comme autorités de ce pays, c'est des frères que je respecte, auraient annoncé sur les chaînes de radio étrangères que le député et moi-même serions à la source de ces conflits. Je voudrais dire à ces personnes-là, nous qui sommes là, nous sommes de Daoukro. Nous sommes de Daoukro. On n'est pas d'ailleurs. Et moi, principalement, je suis des deux communautés. Communauté malinké, communauté baoulé. Pour dire que je m'appelle Travré Adam Kolia. Le Travré, c'est malinké. Kolia, c'est baoulé. Et je suis musulman de plus. Je suis PDC. Pour dire que ici, nous n'avons pas ce problème-là. À Daoukro, sous la coupe du président Henri Konabédié, nous avons toujours vécu en parfaite harmonie entre les communautés. Il n'y a jamais eu de heurts que maintenant. Qui est-ce qui serait à l'origine d'une telle situation? Je n'en sais rien. Et donc dire à ces personnes que nous sommes de Daoukro, nous ne pouvons pas nous permettre de brûler Daoukro. Nous ne le ferons jamais. Parce que si nous le faisons, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Et j'ai dit, je suis des deux communautés. Quand un jeune malinké tombe, c'est un frère ou un fils qui tombe. Quand un jeune baoulé tombe, c'est un frère et un fils qui tombe. Et je suis en phase avec tous les élus. Nous menons le même combat jusqu'à aujourd'hui. Nous menons le même combat, je réaffirme. Donc pour ceux qui ne le savent pas, et qui ont peut-être envie de se donner une raison dans ce qu'ils entreprennent, mais qui trouvent autre raison, il ne faut pas qu'ils viennent s'aimer le désordre au sein de notre communauté. Nous n'en avons pas besoin. Le président Bénin n'en a pas besoin. Et vous interrogerez n'importe quel Daoukro, que la personne soit ivoirienne, je ne dis même pas des communautés nationales, qu'elle soit ivoirienne ou non, elle sait ce que à Daoukro, le président Bédié fait pour elle, pour ces personnes-là. Que ces personnes soient ici maintenant, ou qu'elles vivent à Daoukro depuis longtemps. Elles savent également ce que le président Bédié a toujours fait. Il n'a jamais discriminé entre les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. Il n'a jamais discriminé entre les populations
autochtones et les allochtones. Donc dire que à ce niveau-là, on pousse les gens à la guerre, non, cela ne nous ressemble pas. Si ces personnes peuvent nous aider, qu'elles viennent nous aider à régler les problèmes. Si elles ne peuvent pas, qu'elles nous laissent tranquilles. Nous débattons depuis 3 jours pour régler les problèmes de Daoko, vraiment qu'elles ne viennent pas en rajouter. Parce que de ce qu'elles disent, c'est les Ivoiriens qui continuent de tomber à Daoko. C'est les populations de Daoko qui continuent de subir les méfaits de ces agressions-là. Je voudrais signaler au passage, je ne voudrais pas accuser. Ce n'est pas l'occasion. Quand on aura fini, quand on sera sorti de la crise, nous allons situer les responsabilités. Mais entre-temps, nous avons beaucoup de blessés. Et des blessés graves. Des blessés à l'âme blanche. Des blessures qui sont insupportables à la vue. Et ce soir, on nous rapporte, avec image à l'appui, que certaines populations de Daoko, je ne sais qu'elles soient de gauche ou de droite, auraient reçu des projectiles, des balles. Des balles. On a vu les photos. C'est dommage. C'est dommage. Ceci n'est jamais arrivé à Daoko. Jamais arrivé à Daoko. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de paix ici. Le combat politique est un combat. Mais le combat politique ne doit pas amener à la perte de vies humaines. Ça, nous ne savons pas faire cette politique-là. Nous faisons une politique raisonnée. Une politique qui tient compte de l'humain. Nous, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas une politique pour détruire nos cités. Ce n'est pas une politique pour rendre infirmes nos frères. Parce que, avec les blessures que j'ai vues, certains vont garder des séquelles pendant longtemps. Nous ne savons pas faire ça. Nous sommes humains. Nous ne savons pas faire ça. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire. En même temps, profiter pour lancer un appel. Nous continuons de nous battre. Nous continuons de chercher à amener les uns et les autres à comprendre que personne ne sortira victorieux de ces confrontations fratricides. Personne. Parce que quoi qu'on fasse, dans l'un des camps comme dans l'autre, il y aura des victimes. Il y aura des victimes. Et les séquelles vont rester pendant longtemps. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Donc, invitez nos frères, invitez les populations de Daoko, invitez les populations des villages environnants au calme. Au calme. Le combat politique ne fait que commencer. De ce point de vue, ce serait un combat sain. Ce n'est pas un combat qui entraîne la mort. Ça fait que commencer. Donc, demandez que chacun puisse exprimer sa différence dans la paix. Que chacun puisse exprimer sa différence dans la compréhension de l'autre. Et que, après cela, nous puissions nous retrouver entre frères, entre sœurs, et puis vaquer à nos occupations tranquillement, comme nous avons toujours fait à Daoko. Je suis PDCI, je suis musulman, je suis des deux communautés, j'ai des frères d'un côté, j'ai des frères de l'autre, l'honorable Akoto qui est à mes côtés, on vit ensemble, nous menons le même combat. Le maire, qui est représenté par son 4e adjoint, également avec nous, on a assisté ensemble à toutes les rencontres, nous menons les mêmes combats, et c'est le combat de Daoko. Pas le combat pour détruire Daoko. Alors, des grâces, que ceux qui ne savent pas ce qui se passe à Daoko ne nous mettent pas en palabre s'ils ne peuvent pas nous aider à régler nos problèmes. Dieu nous aidera à le régler. On a commencé. C'est vrai, les tensions sont très, très vives, mais on pense que d'ici quelques temps, la raison habitera les uns et les autres pour que nous nous retrouvions à revivre ensemble comme on l'a toujours fait, dans la paix. Dans la cité de la paix, dans la cité du président Henri Konan Bédié, qui est un homme de paix lui aussi.